Il y a ceux qu'on a sélectionnés dans les quartiers, ceux qui sont d'Oujda, de Mador, on les a écoutés hier. Après, ceux qui sont de Rabat, on va faire Rabat, ou tout cas, on l'a fait à Rabat. Ouais. Alors, on est en liste d'attente, on est en train de négocier ensemble. On est en déclaration de formation sur ces personnes-là. Probablement à partir de la semaine prochaine. Le pied, le monde. Bon, ouais. Une assistance et un conseil juridique contribuent au renforcement de la participation citoyenne à la lutte contre ce phénomène. S'ils sont bien accompagnés par les autorités sur place, ils peuvent aussi être aussi un instrument pour les autorités locales afin de définir les noyaux durs de la corruption à niveau local et à réfléchir à des mesures à prendre dans le domaine de prévention de la corruption. Pour mon ambassade, ce Kajak, dans le nord du Maroc, est d'autant plus important vu ce que représente cette région pour les Pays-Bas. Ces dernières années, mon ambassade a essayé d'être plus présent dans la province, dans l'Océma, Nador et Berkel. La majorité des Néerlandais d'origine marocaine vivant aux Pays-Bas provient finalement de cette région. Ces Maroco-Néerlandais qui souhaitent en grand nombre investir au Maroc ou qui se trouvent au Maroc pour de simples visites de famille étaient atteints. Je sais qu'ils savent que le chemin sera encore long et que la lutte sera encore dure, mais j'ose espérer qu'avec le gouvernement actuel, ils auront le vent en poupe pour au moins réaliser quelques beaux exploits. Je souhaite un bon lancement au Kajak de Nador et reste convaincu qu'il connaîtra un grand succès et qu'il apportera des bénéfices substantiels pour le pays entier. Je vous remercie. Sans rencontrer la corruption, donc sans revenir vers nous. Et je félicite la commission qui est chargée au sein de l'association de donner le prix de l'intégrité, d'avoir choisi Chekib comme premier attributaire de ce prix-là. Il a fait un excellent choix et nous a fait gagner un excellent militant que nous partageons. Donc merci Chekib, merci à vos associations, merci M. l'ambassadeur, les autorités. Et ce n'est qu'un début, on aura d'autres rendez-vous, j'en suis persuadé. Si vous voulez bien, vous êtes invité à prendre un petit verre de thé ou de café. C'est tout ce qu'on a plaisir.